mesdames et messieurs. Alors, tout de suite, le générique. Alors, bon, bah, je n'ai pas été technicien, donc je fais tout moi-même. J'envoie le générique. Allez, continuez. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce numéro 1856 d'enquête exclusivité en infiltration spéciale d'urgence. Ce numéro spécial d'enquête exclusivité en infiltration spéciale d'urgence va nous poser la question, mais où est donc passée Madame Rose? Nous allons découvrir un magnifique reportage, nous séquencerons sous la forme d'une enquête le parcours d'Alain à la recherche de sa mère, Madame Rose, résidente en EHPAD, qui à la suite d'une chute a été transférée dans différents services et structures. Maintenant, 16h40.
Alain est toujours dans le couloir surchauffé de l'hôpital 1 de Troyes. Sans nouvelles de Madame Rose, sa mère. Alain, en bras de chemise. En bras de chemise. En bras de chemise. Joue à Candy Crush pour tenter de se détendre. Il est au niveau 1556 quand tout à coup, le chirurgien tant attendu arrive. Monsieur Rose. Oui, pardon. Oui. Votre maman va devoir être opérée ce soir ou demain matin à l'hôpital 2. L'hôpital 2 de Troyes ? Non, de Reims. Ah. Elle sera ensuite transférée au service de chirurgie post-urgence de l'hôpital 2. Je peux aller la voir ? Oui, bien sûr. C'est au fond, box 6, au fond du couloir à droite. À gauche, tout à droite. Ouais. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de vous accompagner. Bonne chance. Merci. Madame Rose, n'ayant pas souhaité témoigner, nous laissons Alain retrouver sa mère dans le box 6 de l'hôpital 1 de Troyes, en toute intimité. Que va-t-il se passer? Nous lèverons le voile sur ce mystère. Bonsoir mesdames et messieurs et re-bienvenue pour ce numéro 1886 d'enquête d'exclusivité en infiltration spéciale d'urgence. Je vous rappelle que nous nous posions la question, mais où est passée Madame Rose? Alors nous l'avons laissée dans le box 6 avec son fils, mais les aventures ne sont pas terminées. Tout de suite la suite, à vous les... c'est parce que je l'ai dit en même temps. Voilà, c'est parti, tout de suite la suite. Mais où est passée Mademoiselle Rose? Madame Rose. Le lendemain, à 18h, quelques nuages voilent le ciel. Alain est toujours sans nouvelles de sa mère. Très anxieux, il quitte son bureau et se rend à l'hôpital 2 de Reims. Retrouvons Alain dans le sombre couloir du service post-urgence de l'hôpital 2. Il accoste une infirmière nommée Violette. Excusez-moi, je recherche ma mère, Madame Rose. Madame Rose. Madame Rose. Hortense ? Oui. Madame Rose, ça te dit quelque chose ? Monsieur cherche sa mère. Madame Rose. Madame Rose. Madame Rose. Madame Rose. Eh bien, voilà, comme ça, je vois pas. Hortense ? Oui. Madame Rose, ça dévoile quelque chose. Madame Rose, alors comme ça, deux pour point, non hein, mais regardez dans l'ordinateur, ce sera plus simple. Hein. Je vous laisse, j'ai une urgence. Il est 18h40. Nous retrouvons Violette, Hortense et Alain au bureau du service. La fébrilité générale est palpable. Marie, M-A-R-I-E, Rose, R-O-S-E.
pour une blessure à l'épaule droite. Elle devait être opérée ou hier soir ou peut-être... Non, je vous arrête tout de suite. Hier soir, c'est complètement impossible. Vu le nombre de personnes qui avaient besoin d'une opération hier soir, c'est bon. Eh ben, elle a dû être opérée ce matin. Nous sommes vraiment désolés, mais nous n'avons aucune trace de madame Rose. Il est maintenant 19h02. Alain, sur le parking de l'hôpital 2 de Reims, se sent seul et désœuvré. Il appelle l'EHPAD du Val-Fleury. Oui, allô, je... Allô? C'est monsieur Rose, je ne sais plus quoi faire, ma mère a disparu. Ah, mais...